Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain. Ok. Hop. Et yo, Miss Life, c'est GX. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc c'est plutôt une explication, on va dire. Donc en fait, on va faire quelques points. Pourquoi vous avez cliqué sur ce, enfin sur cette chose plutôt. Et pourquoi ça a fait le buzz sur ma chaîne, on va dire. Donc en fait, c'est cet objet. Je sais pas à quoi ça va me servir. Achat compulsif. Mais voilà, je vais peut-être faire une game avec sur Fortnite. Mais le truc en fait, c'est que ça a buzzé de ouf sur ma chaîne, comme vous avez pu le voir. En fait, enfin, ça a buzzé, mais tu ne sais pas pourquoi. Genre, en fait, des fois, c'est comme ça sur YouTube. Ça buzz, mais tu sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. On va juste chercher un putain de. Donc, j'ai trouvé des raisons pourquoi vous avez cliqué dessus. Et puis, voilà, je prends le cut. Hop, voilà. Alors là, on est servi, les amis. Alors là, deux gemmes magiques, je peux vous dire que c'est pas si mal. Hop, hop, après j'ai trouvé des petites... ouais, comme j'ai dit, je vais trouver des... pourquoi tu commences à buzzer en fait. Donc j'en ai deux, je sais pas s'ils sont de la même couleur, on va les ouvrir. Juste à commander sur Amazon pour vous et puis voilà quoi, genre après, plus rien à faire. Donc ouais, on va faire un petit concours. Mettez un maximum de likes et un maximum de commentaires. Et je tirerai un gagnant quand... Et je tirerai un gagnant en commentaire, oh là là, j'en ai marre. Il faut être abonné, il faut liker, il faut commenter. On va mettre, ok, là c'est la pâte bleue. Ça change, hein, ça change. Je sais pas si l'autre ça sera bleu aussi. Mais en fait je sais pas pourquoi ça a buzzé ça. Genre réellement. Y a rien de spécial hein. Enfin après c'est sûr que ça fait un peu chelou en mode la chaîne Troum Troum je crois que ça s'appelle. Et genre en fait c'est genre en mode tu sais pas pourquoi c'est. Enfin quand tu vois les mignons tu te dis mais attends mais qu'est-ce qu'il va faire. Enfin t'as envie de savoir la suite quoi. Donc c'est le truc le plus chiant à ouvrir. Hop on a un autre paquet. On va l'ouvrir et en fait là on va juste voir un petit peu. Et puis trouver des pourquoi du comment ça a buzzé. Donc ouais premièrement je pense que ça a buzzé parce que c'est intriguant quand même. On va pas se le cacher c'est un peu intriguant. Vous voyez un truc comme ça vous dites oula attends qu'est-ce qu'il va faire avec ça ce bouffon. À part ça mis à part ça je sais pas. Peut-être parce que les titres étaient intrigants aussi. Les miniatures aussi. Ça c'est je pense que c'est le truc le plus intriguant. Mais après je sais pas du tout pourquoi ça a fait ça. J'étais vraiment choqué. Je me suis dit oh merde attends. Ok. Là on a notre petite patte. Donc on le voit pas. On le met ici. On enlève ça. Je les garde quand même pour pouvoir ranger par la suite. C'est vraiment genre en fait là l'image que j'ai elle est vraiment stylée parce qu'il y a la comment ça s'appelle de la lumière dessus. C'est réellement trop stylé. Ça sera la miniature même. Voilà ça sera la miniature parce que c'est vraiment stylé pour le coup. Et je sais pas ce qu'on peut faire avec ça réellement. J'essaie de trouver des trucs mais sinon je ne sais pas. Peut-être qu'on peut recouvrir entièrement ça. Donc ça c'est ce qui me sert en fait à pouvoir taper les numéros très très vite. Parce que sur le clavier vous avez vu que sur les drivos il manque la petite partie ici. Donc c'est un moyen de remédier à ce problème. Et du coup en fait ça a un peu buzzé ce truc, même sur Amazon et tout, parce qu'en fait là il y a plein de genres de revendeurs qui rendent au plus cher et tout. Et c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Vraiment le coût de production je pense qu'il est vraiment quasiment genre y a rien tu vois, y a rien de compliqué. Mais c'est juste que les revendeurs en fait, enfin y a des revendeurs en fait qui revendent plus cher et qui font un peu de marketing derrière et tout avec. Genre en mode ça nettoie ci, ça, ça, alors que ça nettoie pas réellement vos claviers. Ça nettoie mais certes mais ça va pas non plus, voilà quoi, ça a un petit peu enlevé la poussière sur le dessus. Mais ça va pas non plus tout laver comme si vous enlevez les touches et que bah vous lavez tout simplement votre clavier. Donc pour le coup... Ça aussi c'est du marketing et je pense que c'est pas ce que c'était le premier but de ce truc. Je pense que c'était pas de non plus laver, enfin je sais pas, il me semble pas hein. Mais je n'ai aucune idée parce que le premier but de ça c'était pas de laver je pense réellement. Parce que c'est juste à passer la main ou le chiffon mais tu prends pas de la pâte, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc pour le coup il y avait beaucoup de marketing derrière ça sur Amazon et tout même sur AliExpress je crois que j'en ai pris un coup sur AliExpress. Parce que c'était vraiment moins cher parce que ça monte jusqu'à 6€ le truc en fait. Et quand vous voyez le paquet attendez. Ça c'est le paquet d'un seul en fait donc ça divisé par deux. Mais limite tu peux en faire rentrer 3 dans un en fait. Et je pense que c'est d'augmenter les bénéfices de pas trop mettre de trucs à chaque paquet. Mais genre c'est un peu chiant quand même genre c'est très très cher pour ce que c'est réellement. Donc si vous en prenez faites bien attention. Ok, on va faire un petit truc, on va faire un 1v1. Hop. Ça fait rebondir, on est d'accord. Donc voilà les possibilités du buzz de ce truc. Proposez-moi aussi en commentaire des idées de pourquoi ça fait ça. Donc voilà, vidéo concours, en plus ça c'est stylé, par contre je suis vraiment le gamin avec. Genre j'ai 5 ans tu vois. Vidéo concours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour pouvoir participer au concours.
et je vous ferai gagner une pâte simplement de, comment ça s'appelle, de magique on va dire. Donc voilà, petite vidéo concours, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires et à vous abonner pour participer au concours. C'est très important parce que je vais faire participer exclusivement les abonnés, enfin c'est normal, c'est, ça c'est on va dire l'excuse des youtubeurs, mais c'est complètement normal en fait les mecs de faire participer les gens qui sont abonnés. De 1 ça nous fait gagner des abonnés. Et de 2, bah au moins vous êtes sûr de pas faire gagner ça à un inconnu ou quoi. Et ce qui serait vraiment dommage parce que le mec il s'en fout un peu de vous, il gagne machin et tout. Alors que si vous êtes abonné, bah voilà. Donc voilà, petite vidéo concours, mettez un petit pouce bleu. Et puis voilà, bonne chance à tous. Et puis dites-moi pourquoi ça serait abusé, pourquoi ça c'est intriguant, ce putain de truc de merde. Donc voilà, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve ce soir pour un live. Et je vous fais de gros bisous, merci d'être passé, c'était JX. Jumpin' this bitch, you go crazy. Ooh, jumpin' this bitch, you go crazy.